tout à l'heure que votre invention, Nello, était révolutionnaire. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, rappelez-nous ce cas de révolutionnaire, cette invention qui est en fait un assistant de vie, quelque part, électronique. Oui, exactement. C'est en fait, il détecte les obstacles, ce que font les appareils type canne électronique. Mais en plus de ça, il va vous dire ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vous avez détecté un obstacle, il va vous dire c'est un escalier qui descend. Et c'est une information qui est très intéressante. Imaginez que vous êtes dans la rue, vous êtes avec votre canne. C'est très angoissant. Je sais que j'ai fait moi-même l'expérience. Hein. Ouais. Mais essayer de me promener ne serait-ce que dans un environnement connu avec une canne, c'est terrifiant. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça donne. Alors c'est vrai qu'une canne, quand elle touche un objet, on ne sait pas si c'est un objet qui est bas, qui est haut. On n'a pas d'idée de ce qu'on rencontre en fait. Tout à fait. Et ce qui est révolutionnaire dans votre invention, pour les malvoyants, c'est qu'ils vont avoir en permanence cette voix qui va leur indiquer s'ils sont en face d'une voiture, s'ils sont en face, par exemple, d'une chaise, d'une table. Et on a des images, d'ailleurs, de cet assistant qui travaille en temps réel, en scannant l'environnement. Alors, je ne sais pas si on peut nous envoyer les images, mais c'est vraiment quelque chose de très, très pratique. Vous voyez, on est dans la rue, là, et Nello travaille, là, c'est ça? C'est ça, c'est un essai que j'ai fait dans les rues d'Aubagne. J'ai entouré les objets détectés pour des raisons de praticité avec des cadres de couleurs en fonction de leur distance. Et effectivement, on détecte tous les objets qui sont présents dans l'environnement, les personnes, les voitures. Ça va vraiment vous donner une vision de ce qui se passe autour de vous. Et pour une personne qui ne voit absolument rien ou qui voit de façon à plus de 1 mètre, ça peut être c'est un confort incontestable. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un vous a dénoncé comme un héros du quotidien, parce que vous aidez vraiment de façon très pratique les personnes malvoyantes. Vous avez vraiment aucune idée de qui vous a dénoncé. On va vous mettre son image ici, dans l'écran. Ah oui. Alors c'est qui cette personne ? C'est mon contact à l'UNADEV. Hein. Il m'aide énormément au jour le jour. Il organise les tests. Il s'appelle comment ? Atef Anana. Atef Anana, il a un message pour vous, écoutez-le. Alors je suis Atef Anana, je suis non-voyant, je suis formateur de profession dans tout ce qui est informatique et nouvelles technologies adaptées. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Olivier, qui m'a présenté son invention. Pour moi, c'est une révolution, ça.